Un autre jeu maintenant tout aussi addictif, tout aussi facile à prendre en main, mais d'un tout autre genre, je veux parler de Trees. Alors son principe est donc simple, vous disposez d'une grille de 16 cases dans laquelle apparaissent des cartes numérotées. Le but est de faire glisser les cartes mitoyennes de même valeur l'une sur l'autre. Sauf que cela fait bouger toutes les autres cartes en même temps. Et puis une fois l'une sur l'autre, les deux cartes sont remplacées par une seule carte dont la valeur correspond à leur addition. Le jeu comporte quand même quelques subtilités supplémentaires. Par exemple, pour superposer deux cartes, il faut que l'une des deux se trouve sur un bord de la grille ou bloquée par une autre carte. Et puis à chaque fois que vous bougez des cartes, une nouvelle carte apparaît, les cartes de couleur ne pouvant se superposer, elles, sur aucune autre. Bref, au bout d'un moment, on se retrouve bloqué, la grille étant complètement remplie, et c'est à ce moment-là que le jeu calcule et annonce votre score. Ne vous reste plus alors qu'à l'annoncer sur Twitter ou le Game Center d'Apple. Trees n'étant malheureusement disponible que sur iPhone. A savoir également, Trees n'est pas gratuit, vous devrez débourser 1,79€ pour pouvoir le télécharger.